Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Salahdine Zouar, a eu des entretiens jeudi avec le secrétaire général exécutif des services extérieurs de l'Europe, M. Pierre Vimon, en marge de la deuxième conférence ministérielle régionale sur la sécurité des frontières. Nous avons évoqué avec le ministre le thème de la conférence d'aujourd'hui sur la sécurité dans le Sahel et la sécurité des frontières. Et là aussi, je dirais que nous avons eu un échange de vues qui a montré une très forte concordance entre nos points de vue. Cette rencontre a permis aux deux responsables de se féliciter de la concordance des points de vue entre le Royaume et l'Union européenne concernant la question de la sécurité des frontières dans la région sahélo-saharienne. C'était une réunion fructueuse qui s'est penchée sur différents points, à savoir l'excellence des relations bilatérales à la veille de la réunion d'association qui se tiendra en décembre à Bruxelles et la question de la sécurité des frontières, car nous savons que l'Union européenne a réservé 5 milliards d'euros pour soutenir la sécurité et promouvoir le développement à l'échelle de la région. 5 milliards d'euros pour soutenir la sécurité et la santé. L'entretien entre les deux responsables a également porté sur les relations bilatérales et permis de faire le point de cette relation excellente à la veille du Conseil d'association qui se tiendra début décembre à Bruxelles.